Bonjour à tout le monde. Suite à ce qu'on a vu concernant cette notion-là du céder, on a parlé qu'il y avait ce qu'on appelle le céder, comme on a dit, horizontal. Et on a le céder vertical. Horizontal, on a dit que chaque chose doit le ranger dans un tiroir. Chaque chose a une place, chaque chose a un tiroir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'organisation horizontale. C'est-à-dire, on n'est pas en train de parler qu'est-ce qui est supérieur. Chaque chose, elle a sa place. Après, on a parlé de l'organisation verticale. L'organisation verticale, c'est ce qu'on appelle l'ordre des priorités. Ça vient avant et ça vient après. Sur ça, on a parlé encore une troisième dimension. C'est pas simplement la notion du vertical, qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après. Il y a ce qu'on appelle la cause et la conséquence. C'est-à-dire, il peut y avoir deux choses qui sont importantes, mais cette chose-là est plus importante que l'autre. Mais malgré cela, cette chose n'est pas la cause de celle-ci et l'autre n'est pas la conséquence de celle-là. Elles sont complètement indépendantes. Donc, il existe une troisième dimension dans le céder d'habituer son cerveau à chercher la cause et la conséquence. Ce que je voudrais aujourd'hui vous parler, c'est d'une halakha. Le Rambam écrit, lorsqu'on parle d'un Talmid Chacham, lorsqu'on parle d'un sage, alors l'halakha préconise qu'on pourrait se dire un Talmid Chacham, un homme qui est un sage, un homme, un érudit dans la Torah. Alors c'est simple, on va à la shul, on va à la synagogue, on va au Beit HaMidrash, on va au centre d'études, on écoute un cours de lui. Et lorsqu'il parle, waouh, il va nous dire des choses profondes, intelligentes, même organisées, même très organisées. Cause, conséquence, il va nous parler de toutes ces belles choses. Mais dit l'alakha, c'est vrai, chazak, ça c'est très bien. Ça concerne son intellect, ça concerne sa tête. Mais est-ce qu'un talmid chacham ne fait que d'une tête? Il n'a pas un cou, il n'a pas un corps, il n'a pas des jambes, il n'a pas des pieds. Et dit l'alakha, un talmid chacham, on ne le reconnaît pas simplement quand il donne un cours. Un talmid chacham doit être reconnu dans chaque particule de son comportement. Sa manière de marcher doit être différente, même avec ses pieds. Ses pieds, à lui, doivent refléter la sagesse, la chorma. Sa manière de parler dans les choses de tous les jours, elle doit refléter cette sagesse. Et si sa sagesse se limite à que de l'intellect, lorsqu'il donne un cours, lorsqu'il parle de quelque chose, alors ça suffit pas plus que ça, disent nos sages. Même dans sa manière de parler, disent nos sages, d'ivrei chachamim, les paroles des sages, benachat, elles sont dites d'une manière de calme. Et à ce moment-là, nishmaim, on peut les entendre. C'est-à-dire, le chacham, ça ne suffit pas qu'il va dire quelque chose de merveilleux. Mais bon, bouge tes oreilles, n'écoute pas comment il parle. L'essentiel, c'est de regarder ce qu'il a dit. Non. Nous disent nos sages, une des choses qui reflète le sage, c'est divrei chachamim benachat. C'est benachat, c'est dans le calme. C'est-à-dire, en d'autres mots, lorsqu'on parle d'un sage, on doit le reconnaître dans tous les domaines. À tel point qu'on trouve même dans le Talmud que certains maîtres avaient un comportement particulièrement exemplaire. Et dit la Gemara, mais pourquoi il a fait ça? Parce que tel et tel maître, Gavra Rabba, c'est une personne différente. Tel Rav Shan, il est différent. Pourquoi il est différent? Parce que comme il est un homme important, alors chez lui on attend quelque chose qui sort du commun. C'est-à-dire, en d'autres mots, ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est ce principe de ce que nous sommes en train de voir dans tous les domaines. Que lorsqu'on on s'habitue à éduquer un enfant, il faut qu'on sache qu'il apporte une bonne note, chazak, c'est très bien. Ça ne suffit pas. Qu'il ait une bonne note, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Parce que sinon, il va être que ce Talmid Chacham qui n'est pas un vrai Talmid Chacham. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit comme il faut dans tous les domaines. C'est pour cela que je voudrais aujourd'hui parler aux professeurs et à nous les parents, et à nous les professeurs, et à tout le monde. Tous ceux qui sont en train de s'occuper de faire grandir cet enfant, de regarder et de voir que dans chaque détail de la vie de l'enfant, ce céder doit être présent, cette organisation doit être présente. Un enfant qui s'assoit en classe, la classe n'est pas rangée. C'est inacceptable, ça fait partie du céder. Ah, mais il connaît sa Gemara, céder, il connaît sa Mishnah, très bien, il connaît son Chumash, très bien. Mais tout doit faire rentrer dans cette configuration du céder. La pièce doit être rangée. Lorsque l'enfant est en train de faire ses devoirs, on voit une table rangée. Lorsqu'on voit ses affaires, comment il range ses feuilles, ça doit être rangé. Sa manière d'écrire doit être mesouderet, doit être rangée et organisée. Notre travail aujourd'hui, à nous les parents, c'est pas simplement de faire que nos enfants aient de bonnes notes à l'école. Parce que qu'est-ce que vous croyez qu'une personne qui a reçu son bac avec mention, pour ceux qui n'ont pas été au cheder, ou celui qui a, Baruch Hashem, qui a fini le Talmud et qui connaît tout le Shulchan Aruch par cœur, lorsqu'il va se marier,
Sa femme lui dit, Baruch Hashem, il connaît tout le chanour, mais il peut mal lui parler, mal se comporter avec elle. Qu'est-ce qu'on a gagné de tout cela? Il y avait une fois une personne qui est partie voir un Rav. Il a dit, Rav, je voudrais que vous m'interrogez pour devenir Rav. Et le Rav lui dit, après qu'il l'a interrogé sur les quatre parties du Shulchan Aruch, il lui dit, est-ce que tu connais le cinquième Shulchan Aruch? Il dit, cinquième partie, non, je ne connais pas. Il dit, ben, comment on se comporte avec les gens? C'est bien de connaître le Shulchan Aruch, mais comment on fait, quand on doit se comporter avec les gens? C'est aussi un art. L'histoire dit un peu plus que ça. Lorsqu'il s'est venu auprès, plus tard, il est revenu se faire interroger sur le cinquième Shulchan Aruch, la cinquième partie de Shulchan, comment on se comporte avec les gens. Il leur dit, très bien, je vois que tu as appris. Et maintenant, est-ce que tu connais la sixième partie du Shulchan Aruch? Et il dit, ah non, je ne connais pas, c'est quoi? Comment on se comporte avec des gens qui ne sont pas aussi des gens? Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, le principe, c'est quoi? C'est que chacun d'entre nous doit comprendre que cette notion-là d'être mesoudar, ça doit être dans tous les domaines. Pas simplement au niveau intellectuel, mais ça doit se refléter dans tout. Un enfant fait une valise. Il faut qu'il sache faire une valise. Il range ses affaires doivent être rangées. Alors juste une chose très importante. Il ne faut pas confondre un enfant qui est maniaque dans son comportement. Un enfant maniaque, c'est une, entre guillemets, c'est ce qu'on pourrait dire une maladie. C'est-à-dire, c'est une tendance qu'il a. Et pourquoi j'appelle ça une maladie? Parce que toute qualité non maîtrisée est un défaut. Donc cet enfant qui est maniaque va subir de tout ce qui se passe autour de lui. Donc ça devient une maladie pour lui, ça devient un fardeau pour lui de ça qu'il est maniaque. Il ne peut pas supporter ci, il ne peut pas supporter ça. Il est malheureux de ce qu'il est. Moi, ce que je ne vous parle pas de quelqu'un qui est maniaque, je suis en train de vous parler de quelqu'un qui apprend à être mesoudar. Et dans le cas qu'il va être dans un endroit où il ne peut pas être mesoudar, alors le seder, l'organisation d'une telle situation, c'est d'accepter de ne pas être mesoudar. Ça fait partie du seder. Lorsque un chassid arrive chez le rabbi, et pendant les fêtes, Baruch Hashem, c'est rempli de monde. Et on se pousse l'un à l'autre. Ben, nous dit la Mishnah, quand on était au Beit HaMikdash, on me dit, tsefufim, on était tous serrés. Mais comment serrer? Elle est où ma place? Ben, c'est ça ta place. Ta place, c'est d'être serré aujourd'hui. Par contre, quelqu'un qui est maniaque, dit, oh non, mais faut pas me pousser, faut pas qu'on m'embête. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin de pouvoir respirer. Seder, on ne parle pas de respirer évidemment d'un manque de respiration, je parle tout simplement de ne pas se sentir écrasé, mais ça c'est le seder. Le seder aujourd'hui, c'est de se faire écraser, comme quelqu'un il va dire, oui mais il faut être mesoudar, il faut être organisé, il faut manger aujourd'hui, oui mais aujourd'hui c'est Kippour, on ne mange pas. Donc lorsque moi je vous parle de ce seder, je ne suis pas en train de vous parler d'un seder qui concerne d'être maniaque, je suis en train de vous parler d'un seder qui doit accompagner la vie de notre enfant. Donc aujourd'hui, ce qu'on a tous besoin, c'est de regarder est-ce que notre enfant est mesoudar dans tous les domaines. Dans tous les domaines, sa manière quand il travaille sur sa table, ses affaires sont rangées, son cartable est rangé, sa manière de parler, est-ce qu'elle est mesoudaret? Tu me parles, en trois minutes, tu m'as parlé de 10 sujets, j'ai rien compris, t'es parti du coq à l'âne, t'es monté, t'es descendu, t'es parti de l'un à l'autre, comment on passe de l'un à l'autre? C'est pas possible. Et ça, nous les parents, on doit s'en apercevoir. Dans notre esprit, ça doit être clair dans notre esprit qu'on doit faire attention à ces choses-là. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, c'est cette notion-là, de ce cèdre-là, qui doit être dans tous les domaines. Et lorsqu'on va commencer à suivre nos enfants, que ce soit nos enfants en tant qu'enfants, parents, ou que ce soit nos enfants, comme disent nos sages, tu enseignes la Torah à tes enfants, et ce sont les élèves aussi sont nos enfants. Donc lorsque chacun d'entre nous va s'occuper de son enfant et de le regarder dans tous les domaines, comment il mange, est-ce qu'il est mesoudar? Le Rambam m'écrit, lorsqu'on est en Bilchot Deot, lorsqu'il parle de ce qu'on doit manger, le Rambam m'écrit que même notre estomac a besoin d'un cèdre. On ne mange pas les choses lourdes avant les choses légères. Il y a un ordre. On mange si déjà on doit manger du poisson, de la viande. Et si on doit aussi manger de la volaille, alors il y a un cèdre. On commence par le poisson. Après ça, on mange la volaille. Après cela, on mange la viande. Il y a un cèdre. Parce qu'il faut que ça soit organisé. Notre estomac aussi a besoin d'un cèdre. Tout notre corps a besoin d'un cèdre. Donc ce que je voudrais, c'est que chacun d'entre nous comprenne que ce cèdre, comme on voit au sujet du Talmid Chacham, on le reconnaît dans chacun de ses détails. Il faut que nous, les parents, on ne se contente pas qu'un enfant revient de l'école, il a une bonne note. Il a une bonne note, mais sa manière d'arriver à cette bonne note n'est pas la bonne manière. Il a une bonne note parce que tout le temps il n'a pas étudié, il a révisé la veille de son contrôle, ce n'est pas une manière. Ah, et pourtant il a eu la bonne note. Mais ça m'est égal qu'il ait la bonne note. Vous savez, chez les goyim, lorsqu'on parle
on fait des mathématiques, et surtout lorsqu'on a, on doit passer pour des examens qui concernent les mathématiques ou d'autres choses. Alors, on n'a pas besoin simplement du résultat, on veut savoir le cheminement, comment on est arrivé à cela. Et ça, ça fait partie intégrante de la réponse. Ce n'est pas quelque chose qui va le rajouter à la réponse, c'est ça le sens de la réponse. Le sens de la réponse, ça ne suffit pas que tu es arrivé à quelque chose. Personne n'a touché, a gagné le loto parce qu'il a eu les numéros, il a dit, vous avez vu, je les connaissais. Non. Si, sauf si tu me dis comment tu es arrivé à ces numéros, et si tu as été capable d'arriver une fois, alors tu seras capable d'arriver une deuxième fois. Sinon, ça s'appelle un loto. Et ce n'est pas ce que nous recherchons. L'éducation n'est pas un loto. Qu'on a besoin d'une siyat d'Ishmaël, qu'on a besoin d'une aide du ciel, que Kadosh Baruch Hu nous protège à 1000%. Et sans l'aide du ciel, tout ce qu'on fera n'a aucune valeur. Mais je ne suis pas en train de vous parler de l'aide du ciel, je suis en train de parler que cette aide du ciel s'additionne à un travail que nous faisons. Et ce travail-là, c'est de regarder notre enfant. Est-ce qu'il est organisé dans tous ses domaines? Et s'il n'est pas organisé dans tous ses domaines, alors c'est qu'il n'a pas encore fait rentrer dans son esprit le principe du céder. Le principe du céder doit le concerner dans tout. Alors que Dieu fasse, Bezrat Hashem, que chacun d'entre nous va être là pour son enfant, l'accompagner dans tous ses domaines et de voir et de faire attention qu'il est véritablement Mesoudar. Et qu'aujourd'hui, Bezrat Hashem, quand je vous dis chaque fois qu'on se retrouve dans le troisième Beit Hamikdash, Amen Kini Ratzon, Kol Tuv et Hatzlacha.